une responsable européenne épinglée pour avoir dirigé une société aux Bahamas alors qu'elle était commissaire européenne à la concurrence. Neelie Kroes a été directrice de Mint Holdings Ltd, une entreprise offshore établie aux Bahamas, et ce de 2000 à 2009, révèlent deux journaux néerlandais. Or, elle a exercé ses responsabilités à la Commission européenne de 2004 à 2009. Elle a donc contrevenu aux règles européennes qui imposent aux commissaires de renoncer à toute fonction de direction et a déclaré toutes celles exercées les 10 années précédentes. L'ex-ministre néerlandaise des Transports a tenté de minimiser ses responsabilités au sein de ladite société, tout en reconnaissant avoir été, je cite, officiellement en infraction avec le code de conduite des commissaires européens. Le consortium international des journalistes d'investigation a publié ce mercredi soir des données concernant plus de 175 000 sociétés offshore bahaméennes créées entre 1990 et 2016, et ce n'est qu'un début.